Allez, salut les amis, on est lundi matin, on est le 30 janvier et il est 2h30 et je pars du dépôt direction Laval pour un client. C'est le client que j'ai chargé vendredi à Rouen. C'est de la ferraille en fait, hein. Attendez, je vais baisser mon train arrière. On est sur arrière, j'en reviens. Allez, on est reparti. J'ai déposé mon essieu arrière. C'est-à-dire qu'on est limite en poids et donc voilà, vaut mieux le poser pour rien. Donc reparti pour une nouvelle semaine. La semaine dernière, petite semaine de 4 jours. Et un vendredi, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas trop de travail. J'avais demandé à Vincent quand je peux avoir mon vendredi que je le prenne. Car j'ai pas mal de congés en retard. Et ça m'arrange bien en ce moment. Olivalou, allez, je vous reprends juste après.
Je viens d'arriver chez mon client là pour livrer les tôles que j'ai chargées. Hop, attendez, je vous fais voir. Voilà. Donc en fait, il y avait deux sangles par pile. J'ai mis deux sangles par pile avec les équerres. Puis là, il est en train de chercher de la place pour y vider. Et bon. Voilà. Là, il y avait 20 tonnes. Allez, donc là, il est 11h pile poil et j'ai vidé. Là, j'attends que Vincent me rappelle pour me dire ce que je fais derrière. J'ai envoyé un message, je lui réponds pas. Je vais peut-être l'appeler, on va gagner du temps. Allez, je vous reprends juste après. Bon, allez, je vais à Saint-Berthévin recharger. Donc, c'est l'autre côté de Laval en fait. C'est juste à côté. Oh putain! Putain, mais vide, comment il tape ce tracteur? Avec cette remorque là? Pouah, pouah, pouah. Je suis peut-être pas à hauteur comme il faut. Ah si, pourtant. Oh, puis en même temps, les ralentisseurs font 1 mètre de haut, donc forcément. Puis il y en a deux de suite. Ah, forcément, ça se couvre. On peut faire des camions plus confortables, hein. On fait des bosses et des trous exprès pour qu'on soit secoué, il n'y a rien de faire en fait. Allez, ceinture, ça ira mieux.
Putain, mais y'a pas un qui va mettre son putain de clignotant, quoi. Qu'il n'y a plus personne maintenant, donc je vais aller voir là-bas. Vas-y, vas-y. Je vais voir au poste de garde parce que c'est un bordel. Mais en fait, c'est bien où je pensais, c'est juste en face en fait. Donc, en fait, faut faire le tour. Et le gars il m'a dit donc à droite, après première à gauche, rue à gauche, et c'est là en fait. C'est même marrant parce qu'ils connaissent l'usine par cœur, donc bah oh bah là ouais. C'est là qu'il faut dire. Si c'est ça. Et ils connaissent tellement par cœur que c'est facile. Logiquement, c'est là, là-bas à gauche. C'est là, si je me souviens, son good. Et le bureau, il est en face. C'est pareil, hein, pour trouver le bureau, amuse-toi là déjà. Allez, je vais voir ça au bureau et je vous reprends après. Allez les amis, c'est midi, je repars. Arrivé à 11h30 pour charger. Midi, j'ai chargé, je repars. Ça, c'est une affaire qui est bonne. Bon, déjà, heureusement, je savais où j'allais parce que...
Bah, à Beaujolais. À laquelle j'ai su lui dire ce que je chargeais, parce qu'à l'habitude ils savent jamais quoi, que tu leur dis en général pour ça. Donc c'est déjà gagné un peu de temps. Mais maintenant, bah, plus qu'à redescendre quoi. Vider ça demain à Vénissieux. Avec les fenêtres du Volvo, ça c'est chiant pour ça le Volvo. 'Importe quoi lui, hein. Merci. J'y arrive comme l'enculé là. Les amis, on est mardi matin, il est 3h et là je viens de repartir, j'ai coupé à Romorantin, j'avais 730 km de fait hier et là on est parti direction le 69, il faut réfléchir, et
le 69, on vide le complet, après je sais pas ce que je fais. Donc là on descend direction déjà à Digoin, je vais faire ma coupure en descendant. Parce que je vais pas y arriver d'une traite directement chez le client, donc peut-être que je vais faire une pause café avant, j'en sais rien. Mais là, en gros, faut que je vide le milieu de matinée à Lyon. Et ça sera très très bien. C'est l'avantage de la rampe de phare. Hein. Les gens n'oublient pas leur plein phare très 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 longtemps. Bon allez, je vous reprends après. Et donc en gros, bah, ces gens-là ne voient pas que j'explique que c'est fait en France, qu'on paye des gens en France. Oh putain, j'entends craquer depuis là. Oh putain. Ça c'est pas bon. Il y a un man, non? Ah, je sais pas, mais il a dû passer une vitesse, j'ai entendu craquer depuis là. Non, un Renault. Non. Aïe, 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 ouais. Allez, on va essayer. Allez boire le café à l'Euroscar pour changer un peu. Ça va changer un peu. Pareil, hein. Prends le ticket, tu vas sur le parking et puis basta. Chaque immatriculation, des fois elle marche, des fois elle marche pas là. Sinon, faut juste réinsérer le ticket. Si tu dépasses pas une heure, et si tu dépasses une heure, faut payer le parking ou alors tu passes au bar et déduis ce que t'as. Bah, de toute façon, il déduit ce que t'as pris au bar en fait. Du parking, donc. Mais il y en a vraiment de garés dans tous les sens là. Et lui, t'es un peu au milieu du parking quand même. Gars. Bon, et puis les trous, quoi. J'ai envie de te dire. Mec, tu es veilleux, c'est pas con, mais alors mets pas tes phares quoi. Mec, y a pas une demi-seconde quoi. Je vois rien dans mes. Je vois pas grand chose dans les rétros, on va pas s'emmerder. Je vois rien dans les rétros, puis on voit rien dans les lignes blanches non plus, c'est pas mal. Non, t'es à côté. Je branche mes feux de recul, ça serait pas mal, n'empêche, parce qu'il y a là. Et puis j'y vois que dalle avec les rétros dégueulasses. J'ai qu'à les nettoyer en même temps, j'ai qu'à prendre qu'à moi. Allez, on va aller boire le café. Allez, pause café fait. Maintenant direction le 69 pour aller vider. Hein. Allez, il sert de la descente pour avancer.
Dès qu'il y a une côte, je pense que ça le calme les gens. Là. Là, j'ai 22 tonnes de chargement. Pour ceux qui te demandent pourquoi, j'ai pas compris, mais il y en a plein qui demandent pourquoi est-ce que le Volvo grimpe les côtes. J'ai 22 tonnes, donc la S22, je suis à 36-37 tonnes en tout. Là, la côte de Paris monte à 90, hein, donc il n'y a aucun problème. Bah, même les Bordeaux, pour ceux qui connaissent dans le 71, les Bordeaux touchent à 90 sans problème, même à 44. Hein. Et là, Barneau. Direction Lyon, je vais y être vers 10h et puis après, bah, je sais pas ce que je fais. Mais ça, je vous dirai ça plus tard. Allez les amis, on va s'arrêter à Dracé parce que comme tu peux le voir dans la caméra, je sais pas si on le voit bien, mais mon rétro est complètement pourri. Et avant d'aller dans la circulation de Lyon, bah, c'est un petit conseil, hein, faites ça. Moi perso, c'est ce que je préfère. Hein. Je préfère aller laver avant donc, parce que là, t'as pas de soleil. Bah, y a du soleil, si vous voyez, sur votre gauche. Donc pour peu que tu arrives sur Lyon dans la circulation puis qu'il y a des rétros pourris comme ça, et bah, t'es bien. Et en plus, je vais dans la petite rue à la con à Lyon. Donc je préfère prendre 2 secondes à nettoyer mes rétros que me faire chier. Avec des rétro sales, parce que ça c'est la galère.
puis en même temps comme ça j'en profitais pour pisser un coup et voilà. Il faut aussi les rétros, ouais, c'est avec des temps pareils là, c'est deux trois fois dans la semaine des fois. Voilà. Le problème c'est le sel quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui encore? Ah la gueule de la semi quoi. Oh là là. Il a enlevé l'autocollant mais vu ce que ça sent. Il a enlevé l'autocollant mais pas la colle quoi. Les mecs garés dans les pompes quoi, ça, ils peuvent pas faire 20 mètres à pied, hein. C'est un truc de ouf quand même. C'est là il est pas en coupure, hein. Il est en coupure peut-être mais il a l'effet d'allumer. Hein. Il y a même les rideaux tirés lui. Là, si vous voulez un très bon produit pour faire vos vitres, ah. Moi j'utilise ça, un GS27 en bombe. Et franchement, la bombe, je sais pas combien de temps, et ça va. C'est de la mousse, ça va très très bien. Voilà, il y a un peu de. La vitre est déjà chaude, à mon avis. Ça fume. Voilà. Voilà. Il n'y aura pas de trace en 2 minutes. Un coup de chiffon sec et c'est parti. Oui, ma lavette d'ailleurs. Je mets un coup de lavette. Voilà, un rétro parfait en 2 secondes. Allez, je passe à l'autre. Allez, on va arriver chez mon client là. Je me rappelle que c'est la merde parce qu'en fait il décharge le long de la route, mais je me rappelle plus où c'est exactement. Bah, si c'est là-bas, c'est où il y a les véhicules, oui. De pompiers. C'est exactement ça, et il décharge le long de la route. Si mes souvenirs sont bons, là, c'est le long de la route. Donc on va voir ça. On va aller voir ça, mais à mon avis, c'est comme ça. Je me rappelle qu'il y a des bus qui passent toutes les 2 secondes.
payé un poteau, ouais, c'est ça, c'est ce que je me rappelle bien en fait. Hein. Je pense que je me rappelle bien. Il y a déjà une jolie pancarte qui dit semi-remorque interdit. On va rester là le temps d'aller les voir. Pas bloquer le portail. Puis on va voir ça. Allez, je vous reprends. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vides le long de la route. En fait, tu livres, tu vides le long de la route. Tu es obligé d'avancer. Donc j'avais 3 bennes. Donc tu avances, ainsi de suite. Quoi. Ah bon, ça se fait. C'est pas grave. Où tu perds un peu de temps du coup, et puis bah là je recharge à côté de Mâcon. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que je recharge à côté de Mâcon pour le même bled d'où je viens là. Donc voilà. Donc en fait, je viens de Laval et je remonte à côté de Laval, exactement au même endroit. Quand il m'avait envoyé, il y avait une erreur, mais non, en fait. Bon, ben, c'est pas grave, on va charger au même endroit pour vider. Pas au même endroit, mais on va vider au même endroit, quoi. L'avantage, c'est que je connais la route, du coup. Par contre, GPS TomTom poids lourd, il me fait passer par Fourvière, quand même. Hein. Il est doué, hein, le truc. Hein. Alors, je suis à Vénissieux, donc je suis pas en descente locale. Hein. Pour ça, n'écoutez pas vos GPS, quoi, les amis. Parce que la preuve, hein, c'est qu'il fait de la merde. Ça, je le savais déjà, hein, que ça faisait de la merde, mais là... Si t'es en desserte locale, encore ça va, mais Vénissieux, t'es pas trop... Je suis même pas à Vénissieux, j'étais à... Merde, j'ai bouffé le nom. Ouais, à côté de Vénissieux, quoi. Là, je suis à Vénissieux, mais avant, j'étais pas à Vénissieux. Enfin, bref, quoi. T'es pas en desserte locale du tout. Solution, ça serait de reprendre par le périph et tout ça, mais vu qu'il y a des grèves et tout, je préfère refaire le tour comme je suis venu que de prendre le périph et être emmerdé par des grévistes. Et comme c'est mignon en face là, c'est magnifique. Magnifique, c'est le Beaujolais là-haut, là-bas en fait. Puis en fait derrière c'est chez moi.
Allez les amis, on a chargé. Alors ce qu'il y a d'original, c'est que je vais livrer où j'ai vidé hier. Ouais, hier. À Laval. Je vais chez exactement le même client. C'est quand même original comme truc. Du coup, ouais, on va. Lundi, j'ai emmené 20, je sais plus combien de tonnes de ferraille. Là, j'emmène du bois en des caisses en bois en fait. Je vous les ferai peut-être voir si j'y pense. Mais j'y vais y penser. Je vais essayer d'y penser. Il faut que j'y pense d'ailleurs. Mais voilà. C'est original. C'est bien rare que ça m'arrive d'aller charger dans deux endroits différents pour le même client la même semaine. Je crois même que c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Surtout quand c'est pour des retours vers chez nous en général. Parce qu'on arrive quand même souvent à aller. Mais là. Bon, tant mieux, au moins j'ai pas besoin de me casser la tête à savoir où c'est. Voilà. 7, 18. 16, 17. Ça se coûte ses coups là-dedans. On est reparti. Donc j'ai quand même vu deux chauffeurs, les deux chauffeurs qui attendaient, ils sont venus par les sens interdits. J'ai gars, vous avez pas peur quand même. Il me dit là, c'est marqué sauf dessert. Ouais, j'ai dit sauf dessert, c'est valable si tu traverses le bled. Mais pas si tu traverses le département. Puis le gars avec le Renault, il m'a dit en plus mon GPS me marquait bien que c'est interdit au poids lourd. Bah, ouais. C'est lui au milieu de la route. Bah ouais, bah ralentis pas, tu sais. Putain. Ouais. On est reparti direction bah, d'Igouin, faut que je mette du gasoil, je vais peut-être passer laver même d'ailleurs si j'ai le temps. Je sais pas si je vais laver mais j'en sais rien en fait. Parce que je vais arriver à y en faire nuit. Pff. Ah bah arrange-toi pas hein. Alors il y a le toit qui penche à la droite, je peux comprendre, moi c'est plus. Donc, les toits qui sont sur le bord de la route là, si tu passes tu chopes tout là.
Allez les amis, il est 3h du matin, 3h30 même maintenant. Et on est parti direction Laval. Donc là on était sur le nouvel aire d'autoroute à Moulins. Et on est corti. Terre bordure en béton là. Juste bon, on a arraché les houes. La station elle est pas ouverte, hein. Je crois qu'elle est ouverte H24, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Oh, regardez-moi ça, le débile profond quoi. Sérieux quoi. Putain. Il y a vraiment des connards sérieux sur la route. Hein. Le mec il est content, il a gagné une demi-seconde quoi. Quel blaireau, surtout qu'après il y a une deux fois deux voies quoi.